Bonjour tout le monde et bonne semaine nationale de la fonction publique. Les fonctionnaires canadiens contribuent énormément à faire de notre pays un endroit meilleur. Et cette semaine, on les remercie. L'année qu'on vit en ce moment est l'une des plus difficiles. Mais vous avez toujours répondu présent et travaillé très fort pour nous aider à passer à travers. Jour après jour, vous êtes là pour nous offrir les services essentiels dont on dépend. Vous nous aidez également à surmonter les nombreux défis qu'on vit en tant que pays. J'aimerais donc vous dire merci. Merci pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre créativité et surtout pour votre travail. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, vous vous êtes mobilisés rapidement pour offrir de l'aide d'urgence, soutenir le dépistage et la recherche et assurer la sécurité de nos frontières. Vous avez travaillé fort pour ramener les Canadiens chez eux. Et grâce à vous, des millions de Canadiens ont reçu l'aide et les prestations nécessaires pour passer à travers ces moments difficiles et soutenir leur famille. Mais mis à part la COVID-19, vous avez aussi été présents pour les Canadiens quand on a vécu d'autres tragédies cette année. Vous avez été là pendant la tempête historique à Terre-Neuve et Labrador. Et vous avez été là pour aider les familles et les proches des victimes du vol PS752 d'Ukraine International Airlines. À travers toutes ces épreuves, le bien-être et la sécurité des Canadiens étaient au cœur de votre travail. Alors, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous allez faire dans les semaines et les mois à venir. J'ai bien hâte de continuer à travailler avec vous alors qu'on va relancer notre économie et bâtir un pays meilleur pour tous les Canadiens.